Bonsoir. Bonsoir, monsieur Banao. Alors, vous êtes madame. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Oui, je me présente. Je suis Yasmine Tano. Yasmine Tano, ce sont mes deux prénoms, en fait. Mon nom de famille, c'est Aka. Voilà. Mais la plupart des gens, au jour d'aujourd'hui, me connaissent sur le nom de Yasmine Tano. Voilà. Ben... Je suis d'origine de Côte d'Ivoire et j'ai une partie, une toute petite partie où je viens de la Martinique en fait, ma grand-mère. Voilà, donc je suis issue d'une famille de 4 enfants, voilà, 3 filles et un garçon. Et j'ai une fille que j'ai eue très très jeune, à l'âge de 21 ans, qui s'appelle Ua Esther, qui a été récemment candidate à Miss Côte d'Ivoire 2014. Voilà. Alors, madame, vous êtes venue tout droit de Neuchâtel. Pour quel but, en fait, sur Zurich? Ben, effectivement, je réside à Neuchâtel, voilà, un canton de la Suisse. Et donc, je me suis rendue aujourd'hui à Zurich pour rencontrer monsieur Banao. Voilà. Qui fera partie de toute l'équipe des personnes qui vont m'encadrer pour ma carrière musicale que je compte lancer très bientôt. Voilà, donc je suis venue rencontrer monsieur Banao à Zurich pour que nous puissions commencer à mettre en place tout notre programme et puis ensemble travailler tout ce qui aura lieu de faire. Et donc je suis venue rencontrer monsieur Banao à Zurich pour Mais tout à l'heure là on fait un shooting. Quel est le but et le sens de ce shooting là? Ben écoutez, voilà, déjà je suis sur Facebook, j'ai un compte Facebook. Et puis voilà, j'aime partager tout ce que je fais avec tous mes amis, toutes les personnes qui me suivent sur Facebook. J'aime bien partager mes moments importants avec toutes ces personnes. Et donc, j'ai voulu faire ce shooting pour montrer un tout petit peu ma journée. Et puis, ce beau moment que j'ai partagé parce que j'aime bien les photos. Et j'aime bien provoquer aussi parce que ce sont des photos qui sont un tout petit peu provocantes. Et les gens peuvent déformer après s'ils en ont envie. En fait, c'est pas très très grave pour moi. Ce que les gens peuvent dire, c'est pas grave. C'est juste des photos, voilà. Des poses photos. Et puis, j'aime bien les photos, donc j'ai voulu faire ceci. Alors, Yasmine, c'est bien votre nom. Oui. Alors, vous allez dire, ici au public qui va vous regarder, vous êtes venu voir... Monsieur, une voix, votre attaché de presse. Oui. En quelque sorte, c'est est-ce le début d'une carrière? Oui, effectivement. Voilà, donc je disais, suite aux événements de Miss Côte d'Ivoire, j'ai clashé un peu beaucoup. Et donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de personnes qui m'ont mal jugé, qui ont dit du n'importe quoi. Je reviendrai plus tard à l'histoire, au fond de toute cette histoire, les raisons pour lesquelles je m'étais emportée. J'en parlerai plus tard, mais voilà. Pour l'instant, je suis venue rencontrer monsieur Banao, voilà, pour qu'on puisse commencer à programmer, à travailler sur notre petite équipe qui est en train de se mettre en place. Dont M. Banao, qui sera mon attaché de presse. C'est un choix que j'ai fait parce que M. Banao m'a démontré qu'il pouvait sûrement m'encadrer. Donc je suis venue le rencontrer effectivement pour commencer à mettre en place cette carrière musicale qui me tient à cœur parce que ça fait très très longtemps que j'avais envie de me mettre en place par rapport à ça. Est-ce le début d'une carrière, une si grande carrière, une carrière internationale, Yasmine? Ben, je l'espère. Vous avez les atouts? Oui, je pense. Je pense que
j'ai un esprit artistique, ça c'est sûr, je le pense au plus profond de moi-même. Durant toutes ces années où j'ai dû mettre tout dans un tiroir, je sais aujourd'hui, j'ai eu le temps de savoir que j'ai une âme artistique. Donc maintenant, je pense qu'il est temps que je puisse exploiter cet esprit-là qui est en moi depuis longtemps. Je pense que je suis assez mature maintenant pour pouvoir démarrer cette carrière que j'attends depuis si longtemps. Alors, c'était Mademoiselle Yasmine. Elle n'a pas dit son nom d'artiste, mais c'est quoi le nom d'artiste déjà? En tout cas, l'idée que j'ai, qui m'a été proposée par une personne qui fera partie de l'équipe, voilà. C'est un musicien aussi qui m'a dit, qui m'a proposé de choisir Yasmine Tan au lieu de Yasmine Tano, Yasmine Tan. Ok, ouais. Yasmine Tan, donc vous êtes venu tout droit, je rappelle que vous êtes venu tout droit de Neuchâtel pour rencontrer votre attaché de presse, oui. Et nous sommes au début d'une grande carrière. J'espère. Alors donc voilà, ce soir nous allons faire un bruit parce que nous avons quelques jours de travail, oui. Alors donc je vais annoncer au public que nous faisons un bruit et qu'ils s'attendent à voir Yasmine Tan dans les mois à venir, dans les années à venir, pour un big show. Vous, c'est quel est votre genre de musique déjà? Ben, en tout cas, j'ai beaucoup de compositions du style des Caraïbes, du zouk, aussi de la pop musique. Et puis là, je me suis maintenant mise dans le style ivoirien, le coupé décalé. Donc, il y a quelques jours, j'ai commencé à composer une chanson du style coupé-décalé. Et j'espère que ça va bomber en Côte d'Ivoire avec ça. Alors, donc, ça va bomber, Miss. Donc, c'était un reportage de Banao Nambo. En attendant que demain ou après-demain, nous passons aux choses sérieuses avec Yasmine Tan. Alors, donc, vous allez dire bonsoir à vos spectateurs en attendant qu'ils vous retrouvent prochainement. Oui. Alors, je salue toute la population ivoirienne, voilà. J'espère vraiment que vous allez m'apprécier. J'espère vraiment que vous allez aimer ce que je vais faire parce que j'y ai mis beaucoup d'amour, tout mon cœur, toute mon âme dans cette histoire. Et j'espère vraiment que je vais amuser et que je vais épanouir tout le monde avec bientôt ma carrière artistique que je compte démarrer avec succès. Je vous embrasse très fort. C'était en direct de Seltzac, Banao Nambo pour votre reportage en face de la belle Yasmine Tan. Bonsoir. Merci.